Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit point de méthode et de connaissances théoriques concernant le théâtre classique, c'est-à-dire le théâtre du XVIIe siècle, qu'on étudie souvent au lycée, les auteurs principaux de cette période étant Racine, Corneille et Molière, comme vous le savez. Alors, au XVIIe siècle, pendant l'âge donc dit classique, eh bien, on fait du théâtre, on écrit le théâtre en suivant un certain nombre de règles qui sont des règles assez strictes, assez bien codifiées, assez précises. Et on ne fait que du théâtre selon ces règles. On ne s'écarte pas de ces règles qui sont prescrites à l'avance. Alors, la vidéo que je vais vous présenter va se constituer en deux parties. Tout d'abord, je vais vous expliquer quelles sont ces règles en détail. Et ensuite, je vais essayer de vous en expliquer la raison pourquoi ces règles se sont imposées de cette façon-là au XVIIe siècle, parce que c'est un petit peu mystérieux, après tout, qui a décidé que ces règles allaient être ce qu'elles sont. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour la première partie qui est l'explication proprement dite de ces règles du théâtre classique. Alors, pour l'explication de ces règles du théâtre classique, je vous conseille de télécharger le document que je vous ai mis en lien ici. Comme ça, vous pourrez suivre sur le papier en même temps que je donne mes explications et sur le papier, vous avez un condensé. Mes explications vont être un peu plus détaillées. Alors, les règles du théâtre classique, eh bien, c'est fort simple. En fait, elles sont au nombre de quatre, et pas une de plus. La première d'entre elles, c'est la fameuse règle des trois unités. Unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Alors, on va les détailler l'une après l'autre. L'unité de lieu, eh bien, implique que toute l'action de la pièce de théâtre se passe dans un seul et même lieu. On ne suit pas les personnages dans leur pérégrination, dans leur déplacement. La scène ne se déplace pas à d'autres endroits. Tout le talent du dramaturge, tout l'intérêt de l'écriture d'une pièce consiste pour l'écrivain de théâtre à faire arriver les personnages dans ce lieu qui est fixé à l'avance et qui se trouve devant le regard des spectateurs, et à faire que ces personnages s'y croisent, s'y rencontrent et s'y parlent pour délivrer au public, via la double énonciation, eh bien, les informations qu'il a besoin de savoir sur ce qui s'est éventuellement passé ailleurs. Donc, unité de lieu, on ne change pas de lieu, c'est la première des règles. Unité de temps, eh bien, les pièces doivent se dérouler normalement en 24 heures chrono, comme on dirait, ou 24 heures maximum. En fait, idéalement, le temps de l'intrigue d'une pièce est resserré entre l'aube et le coucher du soleil. Il faut que tout ce qui arrive s'enchaîne d'une manière rapide et s'enchaîne dans un temps très très condensé, très resserré. Une journée étant le modèle de cette unité de temps. Unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Alors là, c'est plus une règle de bon sens qui veut qu'il n'y ait qu'une seule action, qu'une seule intrigue développée dans la pièce et pas d'intrigue secondaire, pas de ramification, pas de digression. Donc voilà, la première des règles, c'est celle des trois unités, unité de temps, unité de lieu et unité d'action. On a ensuite une règle extrêmement intéressante qui est la règle de la bienséance. Le théâtre au XVIIe siècle est un art très prisé. C'est un public très cultivé qui va au théâtre et qui a conscience en fait de se consacrer à un art d'une haute dignité, à un art consacré presque. Alors, on ne fait pas sur la scène du théâtre classique au XVIIe siècle, on ne montre pas certaines choses qui peuvent paraître choquantes, entre guillemets choquantes, pour le public de l'époque. Et paradoxalement, le théâtre étant un art visuel, un art où on convie le spectateur pour voir les choses, eh bien, cette règle de la bienséance voile aux yeux du spectateur les deux choses, finalement, qui sont les deux choses les plus intéressantes à voir lorsqu'on nous demande de voir quelque chose,
à savoir l'érotisme d'un côté et la violence de l'autre. On ne montre pas l'amour sur scène. Il y a des intrigues amoureuses, bien évidemment, mais tout reste toujours dans les mots. Et lorsqu'il se passe une action amoureuse, malgré le fait que ce soit un peu rare, mais s'il devait s'en passer une, eh bien, elle se passerait en dehors de la scène. Et nous en serions informés par un personnage témoin qui aurait vu les choses et qui reviendrait comme par hasard dans ce lieu défini au départ, cette unité de lieu dont je parlais tout à l'heure. Il croiserait par hasard un autre personnage et lui raconterait donc évidemment ce qu'il a vu de la scène et que nous, spectateurs, n'avons pas vu. Donc tout ce que nous apprenons sur ces choses-là, eh bien, passe dans les récits. Ainsi en va-t-il de la violence également, du meurtre. On ne fait pas couler le sang sur la scène du théâtre au XVIIe siècle. On ne tire même pas l'épée. Hein, déjà, tirer l'épée, c'est enfreindre la règle de la bienséance. En revanche, il y a des choses extrêmement violentes qui peuvent se produire dans l'intrigue et qui se produisent très souvent dans les tragédies. Ces choses-là se produisent en dehors de la scène et sont rapportées par un personnage témoin. Donc voilà, la bienséance, hein, nous indique que c'est une espèce de paradoxe de cet art assez aristocratique qu'est le théâtre, que ces choses les plus intéressantes à proposer à la vue du spectateur, ces choses qui, maintenant, dans n'importe quel film hollywoodien, sont les ingrédients de base d'une bonne intrigue, d'une intrigue réussie, eh bien, ces deux choses les plus intéressantes sont bannies de la vue du spectateur. La troisième des règles du théâtre classique, c'est la vraisemblance. Là, c'est plus une règle de bon sens, un petit peu. Il s'agit du fait que tout ce qui arrive sur la scène doit paraître possible au spectateur, doit paraître vraisemblable. Cela exclut l'intervention du surnaturel, cela exclut l'intervention de ce qu'on appelle le Deus ex machina, c'est-à-dire d'une intervention divine qui viendrait changer complètement et radicalement la donne à la fin de la pièce. Les dieux, par exemple, hein, bien souvent dans les tragédies, il y a des histoires mythologiques à base de la mythologie sur la base de la mythologie grecque. Eh bien, les dieux ne sont pas représentés sur la scène. On en parle, hein, mais ils n'apparaissent pas, à l'inverse de ce qui se passe dans les tragédies grecques. Donc tout doit être vraisemblable. Ça, c'est plus une règle de bon sens qui proscrit le surnaturel et le fantastique. Et puis enfin, la quatrième et la dernière des règles de ce théâtre classique hein, du XVIIe siècle, eh bien, c'est la règle de la séparation des genres. On écrit, lorsqu'on est écrivain, dramaturge, soit des comédies, soit des tragédies. Mais on ne fait pas d'œuvres hybrides, on ne fait pas de tragicomédie ou on ne fait pas de drame comme ce sera la mode un petit peu plus tard. On fait soit des comédies, soit des tragédies. Pas de scènes mixtes, pas de tonalités différentes entre un moment de la pièce et le suivant. Une unité donc de ton. Et alors, ces comédies et ces tragédies, eh bien, se déclinent selon plusieurs aspects. Les personnages, tout d'abord. Les personnages de comédie sont des gens ordinaires, sont des gens comme vous et moi, à qui il arrive des choses finalement relativement ordinaires dans la vie. Et puisque ce sont des gens ordinaires, eh bien, ils ont un langage qui correspond à leur statut et qui est un langage lui aussi qui est ordinaire, assez commun. Certaines comédies sont quand même écrites en vers, mais ont un niveau de langage moins élevé que les tragédies. Les tragédies, en revanche, ça met en scène des personnages extraordinaires, des dieux, des héros mythologiques, ou des gens, ou des nobles, hein. Des gens qui sont en quelque sorte, qui évoluent dans une sphère supérieure de l'existence humaine, des gens qui ne sont pas comme vous et moi, des gens qui sont assez inaccessibles et qui évoluent dans la sphère des passions pures et dans l'air raréfié des hautes sphères de l'existence humaine. Ces gens-là, naturellement, ont un langage qui correspond à leur statut, un langage très élevé. Est très soutenu.
On peut opposer comédie et tragédie également sur le plan de l'action. Les comédies étant pleines de rebondissements, pleines de renversements de situations, de coups de théâtre. Hein. Donc l'action de la comédie eh bien, nous mène par des hauts et par des bas. On croit que tout est perdu, puis tout s'arrange finalement et tout se dénoue de façon heureuse. L'action de la tragédie, en revanche, elle est en ligne droite. C'est l'écrasante fatalité, c'est l'écrasante force du destin qui broie les individus un par un de façon mécanique et de façon automatique, sans leur laisser aucune chance. Alors même que ces personnages aperçoivent parfois l'abîme dans lequel ils vont se précipiter et essayent du même coup de l'éviter, eh bien, ironiquement, toutes les tentatives qu'ils font pour éviter cette catastrophe finale ne fait que les y précipiter avec davantage de force et avec davantage de rapidité. On n'échappe pas à la tragédie, on n'échappe pas à la force du destin. C'est un petit peu comme des sables mouvants hein, dans lesquels on serait pris. Et on sombre de toute façon, quoi qu'on fasse. Et on sombre d'autant plus rapidement qu'on essaye de se débattre contre cette fin à laquelle on n'échappe pas. Voilà, hein, donc je vous ai parlé en détail de ces règles du théâtre classique. Si je récapitule, elles sont au nombre de quatre. La règle des trois unités, la bienséance, la vraisemblance et la règle de la séparation des genres. Alors ces règles, elles sont en vigueur au XVIIe siècle, seulement au XVIIe siècle. Avant, ça n'est pas le cas. Et après, on passe à autre chose. La mode, en quelque sorte, évolue. Et alors, on peut se poser vraiment cette question. Bon, d'accord, voilà, ces règles, elles sont telles que je viens de vous les décrire. Hein, elles sont comme ça. Mais d'où viennent-elles? Qui les a ordonnées? Qui les a établies? Comment se sont-elles établies et comment ont-elles été consacrées? Comme ça. Là, c'est une question un petit peu plus philosophique, un petit peu plus générale, on va dire, et je me propose de vous éclairer sur ce point tout de suite. Alors, en fait, je vais peut-être vous décevoir par ma réponse, mais personne n'a décidé de ces règles. Ces règles se sont imposées toutes seules et d'une façon un petit peu mystérieuse. C'est une mode, hein, il faut prendre le parallèle tout simple avec ce qui se passe dans le domaine de la mode vestimentaire. Personne ne décide quelle va être la mode. La mode se fait, la mode se cherche et la mode se trouve. Et c'est une fois que la mode est installée, finalement, qu'on reconnaît que c'est une mode. Il y a donc un phénomène en fait d'après-coup. Hein. Une fois que les choses se sont bien installées dans le théâtre du XVIIe siècle, une fois qu'on a eu constaté qu'un certain nombre de pièces avaient tendance à suivre le même schéma, avaient tendance à se ressembler en quelque sorte, avaient tendance à obéir à une esthétique hein, commune, à quelque chose qui les unifiait en quelque sorte. Eh bien, on s'est mis à examiner ces pièces un peu plus en détail et on s'est mis à analyser les choses et à voir, oui, qu'elles suivaient un certain nombre de règles qui sont celles que je vous ai énoncées tout à l'heure. Mais personne, en fait, n'a vraiment décidé les choses, se sont imposées comme ça. Les écrivains, le théâtre étant un art noble et un art aristocratique et valorisé, très valorisé. Eh bien, les écrivains rivalisaient en fait de talent et c'était à celui qui incarnerait le plus fidèlement possible et du plus près possible eh bien, ces règles, cet idéal classique, puisqu'il s'agit en fait d'un idéal. De la même façon, le public, au bout d'un moment, hein, son goût étant formé à ça, il y avait le plaisir de retourner voir quelque chose de connu, de retourner en terrain déjà connu. Et une pièce qui se serait écartée complètement de ses règles classiques, eh bien tout simplement n'aurait pas trouvé son public au XVIIe siècle, n'aurait pas plu. Hein, c'est aussi simple que ça, n'aurait pas plu au public puisque son goût était formé d'une certaine façon, de la même façon que notre goût à nous, aujourd'hui, au début du XXIe siècle, est formé d'une autre façon
et que lorsqu'on nous propose des choses qui n'entrent pas en résonance avec nos goûts, avec nos attentes de spectateurs, eh bien ça ne marche pas, on n'aime pas, on n'apprécie pas, même si il se peut que ça ait une valeur artistique très, très forte, hein, mais ça ne rencontre pas son public. Donc voilà, c'est une chose mystérieuse comme la mode qui s'est imposée, on ne sait pas comment, en tout cas personne n'a décidé les choses. Le roi, hein, puisque le XVIIe siècle correspond en grande partie au règne de Louis XIV, le roi n'a aucun pouvoir en fait personnel de décision, surtout pas dans le domaine des arts. Hein. Il y a ce fait que la France, cependant, est différente. Le classicisme est un mouvement spécifiquement français. Le reste de l'Europe, à cette époque-là, est plutôt dominé par le mouvement baroque. Et en fait, la France, qui s'affirme comme une grande force politique dominante en Europe, eh bien, s'affirme simultanément comme une entité culturelle différente aussi. La politique ici et la culture, les belles-lettres, les arts, eh bien, vont dans le même sens, en fait, délivrent le même message, à savoir qu'il y a une exception française. Et ce classicisme, en fait, est une chose qui se développe en France et uniquement en France, contre l'esthétique baroque dominante alors en Europe. Mais encore une fois, ça n'est pas le roi lui-même qui aurait décidé ça, c'est plutôt quelque chose de mystérieux, comme le zèle des sujets du roi, comme l'air du temps, hein, quelque chose qui, on n'a pas d'initiateur de ce mouvement classique. On a des commentateurs, on a, une fois que ce mouvement classique est bien installé, des gens qui, comme Nicolas Boileau par exemple, hein, qui veulent commenter et faire respecter ces règles, mais ces règles ne viennent pas d'eux. Hein. Ils les ont découvertes, ils ont été initiés à ces règles, et ce ne sont pas eux qui les ont promues. Alors, la dernière nuance que je veux apporter pour finir, c'est aussi que ces règles ne sont pas malgré tout une invention qui sort du néant au XVIIe siècle. Elles ne viennent pas comme ça non plus. Totalement par hasard, elle s'appuie en grande partie sur cette idée en vogue à l'époque de l'imitation des anciens, c'est-à-dire de l'imitation en fait du modèle grec. Et elle se base sur ce qu'avait dit le philosophe Aristote dans son ouvrage La Poétique, qu'il a écrit au IIIe siècle avant Jésus-Christ, où le philosophe qu'était Aristote, eh bien, se penchant sur l'histoire du théâtre grec, en fait un commentaire et analyse en fait les pièces de théâtre qu'il connaît, les pièces grecques qu'il connaît donc, et en tire un certain nombre de règles de composition de ce qu'il appelle le poème dramatique. Et ces règles de composition correspondent plus ou moins à celles qui sont celles de l'idéal classique en France. L'idéal classique au XVIIe siècle français est donc un retour aux sources, un retour à ce qu'on pourrait appeler une pureté idéale, un âge d'or qui aurait été celui du théâtre grec. Et on se veut en quelque sorte plus grec que les Grecs et plus pur que la pureté du commencement. Voilà, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu ce dont il retourne dans ces règles du théâtre classique. Ça ne vaut que pour le XVIIe siècle, puisque comme toutes les modes, eh bien, elles sont suivies un certain temps, puis finissent par lasser. Ça continue un petit peu au XVIIIe, bien que ça ne soit pas avec la même force, mais la même vigueur. Et puis après, ce sera renversé, toute cette esthétique classique sera contestée au XIXe siècle par les romantiques et renversée par les romantiques qui s'ingénieront à contrarier une à une toutes ces règles du théâtre classique que je vous ai exposées tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas à me poster des questions si vous en avez, à me publier vos commentaires, à partager la vidéo et je vous retrouve pour de prochaines aventures. Salut à tout le monde!